À l'occasion de la sortie du jeu Sonic Origins ce 23 juin, voici une théorie que j'aime particulièrement. Celle-ci est très connue et a d'ailleurs fait surface à nouveau sur la toile il y a de ça quelques jours. C'est cette fameuse théorie qui dit que Michael Jackson lui-même aurait eu une implication dans les musiques du jeu Sonic 3. Cette théorie est née en 2003, après qu'un fan de Michael Jackson et de la série de jeux vidéo Sonic a partagé sa théorie sur Internet. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus et on n'est pas loin de savoir la vérité. L'implication de Michael Jackson dans le jeu Sonic 3 a longtemps été débattue et théorisée durant de longues années. En effet, d'un côté vous aviez des musiciens qui ont travaillé avec Michael Jackson pour le jeu Sonic 3 qui ont confirmé cette théorie. En janvier 2016, un article rapporte que 3 des 6 compositeurs crédités au générique et membres de l'équipe du chanteur confirment avoir écrit ces mélodies avec Michael Jackson en personne. De l'autre côté, il y avait les employés de Sega qui ont toujours nié cette histoire. Mais justement, il y a plusieurs jours maintenant, Brad Buxer a fait une révélation plutôt folle. Ce monsieur est un claviériste qui a travaillé en étroite collaboration avec Michael Jackson dans les années 90. Lors d'une interview avec l'Institut Abbey Road Paris pour parler de sa carrière musicale, il est logique que la question par rapport à la bande originale du jeu Sonic 3 a été posée. Voici ses paroles par rapport à la question. Depressed with what was going on with him, and he calls me at 10:30 in the morning. I go knock on his door, and I had under my arm a cassette player. I had been doing all the Sega Sonic the Hedgehog cues. Because the way Michael works is, he'll tell Sega he'll do it, and then he says, "Brad, you do it, right?" So I think we did one cue together with Michael, one, and the rest I had to do it myself. So I had the cassette thing under my. I had 41 cues done, and I said, "Do you want you? I'm sure you want to hear the Sonic the Hedgehog." He said, "No, just play something." And I started playing, and I played the verse for "Stranger in Moscow," and then I came up with the chorus on the spot, and he loved it. He fell in love with it. And so, in an hour and a half, "Stranger in Moscow" was written. He had "Stranger in Moscow," musique emblématique de Michael Jackson, a souvent été étroitement lié à Sonic 3, car le thème du générique de fin du jeu est extrêmement similaire à la musique "Stranger in Moscow." D'autres musiques sont également similaires au travail de Buxer, comme la musique de la zone Ice Cap Zone et Carnival Night Zone. Autre argument qui pousse à croire que Michael Jackson a effectivement été en lien avec le jeu Sonic 3, il faut savoir que celui-ci avait déjà un lien avant le jeu avec Sonic. En effet, il aurait influencé le personnage Sonic lors du processus de design de celui-ci avec la couverture de son album Bad. C'est le créateur de Sonic, Naoto Oshima, qui l'avait déclaré en 2009 lors d'une interview. Cependant, si Michael Jackson a effectivement contribué aux musiques du jeu, il n'est pas crédité de les avoir composées, et Sega nie depuis toujours son implication. Pourquoi Sega agirait-il de la sorte, alors que c'est Michael Jackson tout de même? Il y aurait deux raisons possibles. La première dirait que, comme l'a d'ailleurs affirmé Buxer en 2016, que le musicien voulait que son nom soit supprimé car les capacités de la console ne produisaient pas des sons corrects, et il n'aimait donc pas le rendu que donnait la console à ses musiques. La seconde dirait que ce serait à cause des accusations de pédophilie à l'encontre de Michael Jackson. Pour appuyer cette hypothèse, en 1993, Sega avait développé deux jeux vidéo de simulateurs d'avions. Le premier s'appelait Megalopolis Tokyo City Battle. Le deuxième, lui, était baptisé Michael Jackson Scramble Training. Ce dernier simulateur de vol géant présentait Michael Jackson comme formateur des futurs pilotes. La sortie du jeu dans les parcs d'attractions s'était déroulée correctement, avant que les premières accusations pour pédophilie contre Michael Jackson soient dévoilées au grand public. À l'époque déjà, craignant une trop mauvaise publicité en étant en collaboration avec le chanteur, Sega avait retiré discrètement le jeu lié à Michael Jackson de son parc d'attractions, et cela prouve que Sega avait déjà agi de la sorte quelques mois avant. De plus, en 2005, Roger Hector, qui était responsable de Sega aux États-Unis, avait admis l'existence d'une collaboration avec Michael Jackson, mais elle a été annulée suite aux accusations de pédophilie. Cependant, plusieurs éléments sont troublants.
D'abord, pourquoi cacher le fait d'avoir contribué avec Michael Jackson? Quel mystère se cache-t-il derrière cette collaboration pour aller jusqu'à rien dévoiler et tout nier? Ensuite, si Sega a effectivement agi de la sorte à l'époque, comment cela se fait-il que Michael Jackson ait contribué à d'autres jeux non Sega par la suite sans impacter l'image de ces jeux? Comme pour Ready to Rumble 2 en 2000 par exemple. Beaucoup de mystères restent en suspens, même si je pense que l'on se rapproche de plus en plus d'une réponse à ce mystère. Depressed with what was going on with him, and he calls me at 10:30 in the morning. I go knock on his door, and I had under my arm a cassette player. I had been doing all the Sega Sonic the Hedgehog cues.